This is Weather Radio Canada, station XLJ 696, broadcasting from the Camp Fortune Tower on 162.40 MHz. Our studio is located at the Ottawa Weather Office. Ici Radio Météo Canada, station XLJ 696. Nous transmettons de la tour du Camp Fortune sur une fréquence de 162.4 MHz. Notre studio est situé au Bureau météorologique d'Ottawa. A high-pressure system centered over Lake Superior will drift slowly eastward, giving sunshine to the region during much of the week. Forecasts in detail for the Ottawa Valley, including the cities of Ottawa, Hull, and for southeastern Ontario, including Brockville and Cornwall. Clear skies can be expected overnight with diminishing winds. The low temperature will be near 14. For Tuesday, sunny with afternoon cloudy periods, moderate winds at times. High temperatures will be between 27 and 29. The probability of precipitation will be near 0% overnight and 20% Tuesday. Outlook for the Ottawa Hull region for Wednesday and Thursday, sunny with cloudy periods, cloudy with showers on Friday. Temperatures will remain above normal on Wednesday and Thursday, but return to near normal values on Friday. Normal temperatures for this time of year are a high temperature of 25 and a low temperature of 13. As of 8 p.m., the highest temperature in Ottawa today was 27.4, and this morning's lowest was 18.3. No precipitation was recorded. The highest temperature on record for the 15th of June is 32.8 in 1983, and the lowest is 4.4 in 1950. The sun will rise tomorrow at 5:13 a.m. and set at 8:53 p.m. At 10 p.m. at the Ottawa Airport, it's clear, temperature 23, relative humidity is 36%. Northwesterly winds at 9 kilometers an hour, barometric pressure rising at 101.1 kilopascals. Everybody's clear, temperature is 18 in Pembroke, 21 in Montreal and Toronto. À 22h à l'aéroport d'Ottawa, c'est dégagé, température de 23, l'humidité relative 36%. Les vents sont du nord-ouest à 9 km à l'heure, pression barométrique à la hausse 101.1 kilopascals. On rapporte du temps dégagé partout, 18 à Pembroke, 21 degrés à Montréal et à Toronto. Un système de haute pression centré sur le lac supérieur continuera de maintenir du temps généralement ensoleillé sur nos régions pour la majeure partie de cette semaine, alors qu'il se déplace lentement vers le sud-est. Prévision pour la vallée de l'Outaouais, incluant les villes de Ottawa et Hull, ainsi que le sud-est ontarien, incluant Brockville et Cornwall, dégagé la nuit prochaine, en diminuant minimum près de 14. Mardi ensoleillé avec le passage nuageux, surtout en après-midi, vent modéré par moment, maximum de 27 à 29. Probabilité de précipitation près de 0%, cette nuit 20% mardi. Aperçu pour la région de Ottawa et Hull, le mercredi et jeudi ensoleillé avec passage nuageux, vendredi nuageux avec averse. Les températures seront au-dessus des normales le mercredi et jeudi, redevenant près des normales le vendredi. Normal maximum pour cette période de l'année 25 degrés, normal minimum 13 degrés. Jusqu'à 20h, la température maximale à Ottawa aujourd'hui a été de 27,4 et la température minimale ce matin de 18,3. Nous avons enregistré aucune de précipitation aujourd'hui. La température la plus élevée enregistrée pour le 15 juin a été de 32,8 en 1983 et la plus basse de 4,4 en 1950. Le lever du soleil demain sera 5h13 et le coucher à 20h53. This is Weather Radio Canada, station XLJ 696, broadcasting from the Camp Fortune Tower on 162.40 MHz. Our studio is located at the Ottawa Weather Office. Ici Radio Météo Canada, station XLJ 696. Nous transmettons de la tour du Camp Fortune sur une fréquence de 162,4 MHz. Notre studio est situé au Bureau météorologique d'Ottawa. A high-pressure system centered over Lake Superior will drift slowly eastward, giving sunshine to the region during much of the week. Forecasts in detail for the Ottawa Valley, including the cities of Ottawa, Hull, and for southeastern Ontario, including Brockville and Cornwall. Clear skies can be expected overnight with diminishing winds. The low temperature will be near 14. For Tuesday, sunny with afternoon cloudy periods, moderate winds at times. High temperatures will be between 27 and 29. The probability of precipitation will be near 0% overnight and 20% Tuesday. Outlook for the Ottawa Hull region for Wednesday and Thursday, sunny with cloudy periods, cloudy with showers on Friday. Temperatures will remain above normal on Wednesday and Thursday, but return to near normal values on Friday. Normal temperatures for this time of year are a high temperature of 25 and a low temperature of 13. For those who are traveling, here are the forecast weather conditions for Tuesday for a selection of Canadian and American cities.
St. John's, Newfoundland will be cloudy with a temperature of 14 degrees. Partly cloudy skies across the Maritimes with 19 degrees in Charlottetown, 22 in Fredericton, and 17 in Halifax. Quebec City will also be partly cloudy with 23. Sunny skies in Montreal and Toronto, high near 25 in Montreal, 29 degrees in Toronto. Sunshine can be expected across the prairies with a high near 34 in Winnipeg, 32 degrees in Regina, 24 in Calgary, and 22 in Edmonton. Vancouver will also have sunshine and a temperature of 18. In the United States, New York City will be sunny with 32 degrees, sunny as well in Boston with 29. Sunshine and 32 degrees can be expected in Detroit, Chicago, and Washington. And in California, skies will also be sunny with a high near 24 in Los Angeles, 20 degrees in San Francisco. Some weather forecast for Ottawa, Hull, and Cornwall. This evening and tonight, the winds will be westerly, 20 to 30 kilometers per hour. Tuesday, the probability of precipitation of 5 millimeters or more is 0%. Drying index high at 73. Hours of sunshine, 13. The winds will be variable, 10 to 20 kilometers per hour. At 10 p.m. at the Ottawa Airport, it's clear. Temperature 23. Relative humidity is 36%. Northwesterly winds at 9 kilometers an hour, barometric pressure rising at 101.1 kilopascals. Everybody's clear, temperature is 18 in Pembroke, 21 in Montreal and Toronto. À 22h, à l'aéroport d'Ottawa, c'est dégagé, température de 23, humidité relative 36%. Les vents sont du nord-ouest à 9 km à l'heure, pression barométrique à la hausse 101.1 kilopascals. On rapporte du temps dégagé partout, 18 à Pembroke, 21 degrés à Montréal et à Toronto. Un système de haute pression centré sur le lac supérieur continuera de maintenir du temps généralement ensoleillé sur nos régions pour la majeure partie de cette semaine, alors qu'il se déplace lentement vers le sud-est. Prévision pour la vallée de l'Outaouais, incluant les villes de Ottawa et Hull, ainsi que le sud-est ontarien, incluant Brockville et Cornwall, dégagé la nuit prochaine, en diminuant minimum près de 14. Mardi ensoleillé avec le passage nuageux, surtout en après-midi, vent modéré par moment, maximum de 27 à 29. Probabilité de précipitation près de 0%, cette nuit 20% mardi. Aperçu pour la région de Ottawa et Hull, le mercredi et jeudi ensoleillé avec passage nuageux, vendredi nuageux avec averse. Les températures seront au-dessus des normales le mercredi et jeudi, redevenant près des normales le vendredi. Normal maximum pour cette période de l'année 25 degrés, normal minimum 13 degrés. Ceux qui voyagent, voici les conditions prévues pour quelques villes américaines et canadiennes pour mardi. Saint-Jean-Terre-Neuve sera nuageux avec une température de 14 degrés, partiellement nuageux à Charlottetown, Fredericton et Halifax, une température de 19 à Charlottetown, 22 à Fredericton et 17 à Halifax. Québec sera partiellement nuageux également avec 23. Le temps sera ensoleillé Montréal et Toronto, 25 degrés Montréal et 29 à Toronto. Ensoleillé sur les prairies, une température de 34 à Winnipeg, 32 à Regina, 24 à Calgary et 22 à Edmonton. Ensoleillé également à Vancouver avec 18. Aux États-Unis, New York sera ensoleillé 32 degrés, ensoleillé aussi à Boston avec 29. Le temps sera ensoleillé mais chaud avec une température de 32 à Détroit, Chicago et Washington. En Californie, le ciel sera ensoleillé, une température de 24 à Los Angeles et 20 degrés à San Francisco. Prévision de météo agricole pour Ottawa, Hull et Cornwall. Ce soir et la nuit prochaine, les vents seront de l'ouest de 20 à 30 km à l'heure. Mardi, probabilité de précipitation de 5 mm ou plus est de 0%. Indice d'assèchement élevé à 73, heure d'ensoleillement 13 heures. Les vents seront variables de direction de 10 à 20 km à l'heure. Well, there you